Comme chaque année, l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc d'Avallon ouvre ses portes au public et aux familles susceptibles d'inscrire leurs enfants au collège ou au lycée. On essaie de rendre ça par cœur. L'occasion pour le public de découvrir l'ensemble de l'établissement. Un circuit a ainsi été proposé aux visiteurs. Il y a un problème électrique dans la maison. Donc ça fait conduire le courant. Ça fait passer le courant. Alors tu mets un d'un côté. Voilà. Et puis voilà, comme ça. T'as vu ce qui se passe? Essaye de bouger un petit peu. T'as vu? Des dizaines de parents d'élèves ont visité les installations du collège de l'ensemble scolaire privé Jeanne d'Arc d'Avallon. Elle ne sait plus faire la vaisselle, maintenant c'est on met dans la vaisselle. Mais là, on sait encore comment faire. Pour donc maintenant, il n'y a plus de cabine téléphonique. Oui, oui, avec la même. Voilà, donc là, une option, je ne sais pas si elle vous intéresse, une option qu'on commence en quatrième. On envisage donc de faire des études peut-être plus ou moins longues. Ah, moi j'ai l'antithèse. Celui-là. Non, moi je suis pas passé le salon, ma jambe. Excusez-moi, mais c'est nul. Moi, il y a trois télés. Et le contour de la terre, vous avez entendu? Elle a pas pris un petit passeur. Cette visite a séduit par ses installations et l'organisation de l'établissement, une occasion pour inscrire son enfant pour la rentrée prochaine. Enseignants et élèves ont servi de guide pour la découverte des salles de classe, self et internat. Les visiteurs ont également visité la section terminale commerce, labellisée Europro, qui permet aux étudiants de partir faire des stages dans des entreprises à l'étranger. Okay.